Salut, salut l'équipe, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne OneBet, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ok, aujourd'hui, je viens avec une faille à laquelle ce ne sera pas long, la vidéo sera pas longue. Donc, je vais vous montrer une seule faille à laquelle vous permettre de gagner. Bon, ça va vous permettre de gagner assez d'argent. Voilà, il va vous dire non, ça vous permet de gagner assez d'argent. Ça va dépendre de combien vous allez jouer, combien vous allez miser. Donc, n'oubliez pas aussi de vous inscrire avec le code promo. Si vous êtes intéressé à intégrer mon canal Telegram, qui sera là, le lien sera en description pour tous ceux qui veulent intégrer mon canal Telegram. Intégrez-vous, utilisez le code promo pour bénéficier de 200% via votre dépôt. Voilà, le premier dépôt sur votre compte NSB. Donc, on commence avec la faille. Et vous montez cette faille là, vous pouvez choisir aujourd'hui, on va voir le match d'aujourd'hui. Donc c'était peut-être au Florentina contre Calcio. On va descendre en bas. On va descendre, on va prendre l'espion. Ok, donc vous prenez, vous choisissez, quand vous prenez. Mais surtout, jouez ça dans les gens, jouez ça surtout dans le championnat italien. Pas dans le championnat italien, ça gagne beaucoup. Donc quand vous prenez score dans chaque mi-temps, quand vous prenez score dans chaque mi-temps, ou ici au niveau le 1-3-1, on dit l'équipe 1 sera supérieure à l'équipe 2. Ici dans la deuxième on dit 3-4, c'est à dire l'équipe 1 et l'équipe 2 vont faire nul, voilà, c'est à dire ils vont marquer, bon c'est égal quoi, voilà. Mais ici on dit l'équipe 2 1 sera inférieure à l'équipe 1, voilà. Donc ici vous prenez ça. Vous prenez l'équipe 2 sera inférieure à l'équipe 1 et vous ajoutez sur vos coupons de Paris et vous souhaitez, c'est-à-dire vous pouvez venir peut-être dans Paris sportif, vous prenez championnat italien. C'est le championnat italien, c'est le championnat italien qui s'en gagne beaucoup. Vous prenez championnat italien, vous pouvez prendre peut-être. Bon, ça c'est encore long. On vient en bas ici. Dans le championnat italien, ça gagne beaucoup. Voilà, on prend le championnat italien, on prend les joueurs, les matchs qui vont se jouer aujourd'hui, le 27. Vous prenez Atlanta comme ça. Vous prenez Atlanta, vous prenez score à chaque mi-temps. Score dans chaque mi-temps. Voilà, ça on cherche. Le score dans chaque mi-temps, on vient en bas. Vous savez seulement que je score dans chaque mi-temps et vous prenez ça. Vous prenez le troisième. L'équipe 1 sera inférieure à l'équipe 2. Vous prenez ça toujours. L'équipe 1 sera inférieure à l'équipe 2. L'équipe 1 sera inférieure à l'équipe 2. Vous prenez ça. Vous ajoutez ça. Vous pouvez combiner 3 matchs, mais 4 matchs. Mais ne dépassez pas 5 matchs. Voilà. Vous pouvez combiner 3 matchs, au minimum 3 matchs. Vous misez votre argent sur vous, ça va vous donner un code 9 ou un code 10. Ça va dépendre de vous. Si vous pouvez prendre des risques, vous pouvez combiner beaucoup de matchs. Mais si vous combinez beaucoup de matchs, comme je vous ai dit, ça c'est risqué. Voilà, c'est risqué. Donc faites ça comme ça. Vous choisissez 3 équipes, mais 4 équipes. Mais prenez surtout le championnat italien. Surtout le championnat italien. Parce que le championnat italien, ça fera beaucoup. Ça gagne beaucoup là-bas. Vous prenez, vous venez ici encore, vous avez tout ça, vous pouvez prendre encore. Vous cherchez les équipes qui sont favorables à l'autre. Voilà, vous cherchez, vous voyez ici, Naples, Naples, et puis Sassuolo. Vous voyez que Naples est préféré, donc vous venez, vous soyez ici, score à chaque mi-temps, vous venez comme ça. Vous cherchez, vous venez, score à chaque mi-temps. N'importe quoi, parce qu'on prend, voilà, vous prenez ça encore, parce que l'équipe 1 serait inférieure, l'équipe 1 est inférieure à l'équipe 2, vous combinez encore. Prenez toujours l'équipe. Les équipes sont favorables à l'autre. Les équipes sont plus performantes que l'autre. Là, comme ça, au moins, vous avez la possibilité de gagner. Vous voyez. Donc, l'équipe. C'était tout pour cette faille. Si vous avez aimé, likez et aussi partagez. C'est-à-dire comme ça, on vient peut-être ici. Vous voyez, Genoa et puis Sampdoria. Bon, Genoa est plus performant que Sampdoria. Vous venez encore en bas. Vous cherchez ce qu'on a chaque mi-temps encore. Attendez, on descend juste en bas ici, ce qu'on a chaque mi-temps. C'est pour gagner de passer. Vous venez là, vous voyez. Vous prenez cette cote là. Vous prenez toujours ici l'équipe 1 inférieure à l'équipe 2. Vous prenez toujours ça. Ça va vous faire gagner. Voilà. Mais prenez toujours dans le championnat italien. C'est le championnat. Voici l'équipe. Voilà. Les clubs italiens qui sont là. Qui sont venus jouer aujourd'hui. Mais t'es meilleur. Du coup, moi, je joue aujourd'hui. Donc, l'équipe, c'était tout pour cette fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, testez et vous allez voir. Voilà. Abonnez-vous. Partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas d'intégrer mon canal Telegram et de vous inscrire avec le code promo pour gagner 200% via votre dépôt. Donc bon, je n'ai à vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.